dit. On va s'éclater, pas croyable. Place aux amis, tout pour le fun. Profitons-en tant qu'on est jeune. C'est décoiffant et bourrifant. C'est le monde des adolescents. C'est décoiffant et bourrifant. Musique, magie et fringues, ça nous rend folle. Bienvenue dans mon Tetros. On reste cool et ça roule. Sauvons le monde de ses ennemis. Jamais lâcher, jamais renoncer. Un monstre au tapis et c'est parti. Yeah! C'est décoiffant et bourrifant. C'est le monde des adolescents. C'est décoiffant et bourrifant. Musique, magie et fringues, ça nous rend folle. Bienvenue dans mon Tetros. Ah, je te tiens. Qu'est-ce que vous pensez de mon tableau? Entre nous, tu n'as jamais songé à te reconvertir dans la sculpture sur bois? Il était vraiment aussi moche que ça? Mais non, je l'ai trouvé beau. C'est ça, tellement beau que ça a fichu la prof en rogne. On va être en retard pour le cours de Monsieur Tronomètre. Pas le temps d'y aller à pied. Au cours de Tronomètre, qu'on aille directement, les élèves en retard, il est pas vraiment! Ah, juste à temps pour la remise de vos questionnaires. Voici le vôtre, Topaz. Peut mieux faire, le moins qu'on puisse dire. Saphir, impeccable, comme d'habitude. Merci, monsieur Tronomètre. Onyx, remarquable votre dissertation. Ça vous a plu? Moi, oui. L'ennui, c'est qu'il s'agissait seulement de répondre vrai ou faux. Hé, Topaz, ça va pour toi? T'as pas l'air en forme depuis quelques jours. Je sais pas, tu vois, je crois que le cirque avec le petit Simon plus les répétitions pour le concours de talent, ça m'a beaucoup perturbée. Didididididididid, flash info! T'as rempli le questionnaire avant qu'on tombe sur Simon. Oh, je suis même nulle pour les mauvaises excuses. Te prends pas la tête avec ça, Topaz. Ce n'est qu'un questionnaire stupide. Stupide comme mon tableau. C'est dur à dire, mais je suis bonne à rien. La journée commence mal pour elle, mais c'est rien à côté de ce qui l'attend. Ok, on reprend le mouvement au début. Je pense que vous devriez faire ça sans moi. Je sens que je vais tout faire rater. Allez, Topaz, ne sois pas comme ça. T'as les moyens, il te manque juste un gramme de confiance en toi. Allez, viens. Moi, je dirais une tonne. Allez. Prête, partez. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Faut juste recommencer. Je vais mettre mon casque intégral, ça peut servir. Oh,
Comment peut-elle s'en vouloir à ce point-là? Je crois le savoir. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai? Parole d'honneur, je suis qu'un pauvre innocent, une victime. Oh, qui c'est le beau petit toutou? Le petit bébé à sa maman? Ouais, c'est là que c'est bon. Ah, qu'est-ce qui fait chaud ici? Tu serais d'accord pour qu'on se mette à l'ombre? Oh, bien sûr. Ah, on n'est pas mieux là? Oui, si on veut. C'est ça, avance juste 2-3 pas. Parfait. Waouh! Oh, quelle horreur, bah! Mon piège! Ça a marché! Je reviens sur ce que j'ai dit! T'es pas un mignon petit toutou! T'es qu'un requin! Qu'un sac à puce rongé par les termites! C'est bien vous, ô maître malveillant bien-aimé? Excuse-moi, mais ferais-tu allusion de mémoire à cet avorton de Simon? Oui, c'est moi, espèce d'imbécile heureux. Je suppose que c'est un compliment. Wow! Je suis une fille! Quelqu'un? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis glissée dans ta peau, voilà ce qui s'est passé. Simon? T'inquiète pas, tu es toujours Topaze. Emprisonnée dans le vide de ta petite tête, enfin la mienne. On est un peu comme des colocataires, Topaze. Je veux pas d'intrus dans ma vie. Comment t'as fait ça? Tu as cessé de croire en toi, voilà comment. Tu n'avais plus confiance en tes moyens. Tu avais perdu tes repères. Tu as ouvert la porte aux envahisseurs. Ah? Bon à rien! Monseigneur, pourriez-vous enlever votre pied, s'il vous plaît? J'étais en train d'expliquer à Topaz que son attitude négative m'avait permis de la piétiner comme un paillasson. Je suis bien placée pour savoir ce que ça fait. Maintenant, je vais pouvoir éliminer ses copines l'une après l'autre, avant qu'elles ne réalisent l'étendue de leur pouvoir. Et ça va être un vrai régal. Bon alors, Topaz, décroche! Ça doit faire 200 000 fois que je l'appelle sur son magiphone pour rien. Tu crois que c'est inquiétant? Ouais, l'univers est au bord de l'implosion, rendant même notre vie totalement vide de sens. Onyx, sérieusement, ça ne veut pas dire que Topaz a un problème? Un gros. Trouver des chaussures qui vont avec son petit haut. Pas de panique, elle va débarquer sur son scoot comme elle était avant et comme elle le restera. Hop! La voilà justement. Poussez-vous! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Trouve une bonne explication. Ça va maintenant? Y en a marre? Fichez-moi la paix! Topaz, tu es limite vulgaire. On te reconnaît à peine quand tu parles. Non, ça va. J'ai dû avaler une arête. On ne peut même plus se fier au poisson pané. Le problème, c'est que j'arrivais pas à maîtriser cette machine infernale qui vole. Tu parles du scout? Oui, définitivement, je dirais. Waouh! Tu t'es habillée dans le noir ou quoi? Depuis quand tu fais la police des fringues? Qu'a rattrapé? Oh. Exact, elle est redevenue comme avant, ou presque. Bien sûr que ce n'est pas moi! Je ne serai jamais sortie dans la rue habillée comme ça! Allô, vous m'entendez? J'ai mal dormi la nuit dernière, les moustiques! Ce serait pas plutôt à cause du concours? Quoi, du concours?
Oh, tu parles de ce spectacle pitoyable où on doit cavaler, sauter, faire des roulés-boulés devant une salle pleine d'ados boutonneux. Ravi de savoir que c'est pas ça qui te dérange. Oh, non, pas du tout. Faudrait peut-être se dépêcher si on veut pas être en retard à l'école. Oh, oh, saleté de marche. En avant, les gars. En avant, les gars. Vous avez vu Topaz en salle de gym? Je n'ai jamais vu quelqu'un jeter un ballon aussi fort que ça. Elle a failli mettre au tapis un jeune. Au ballon chasseur, elle l'a fusillé. Parlons d'elle, justement. Maintenant qu'elle a démissionné du concours, il va falloir présenter un nouveau numéro. Démissionner? Qui a parlé de démissionner? C'est toi? Ça, c'est du passé. À présent, on se met au boulot. Et toi, essaie de ne pas rater ton coup. Ah, non, mais je rêve! T'es sûre que ça va comme tu veux? Définitif! Je me suis jamais sentie aussi bien. Oh. Bon alors, on y va ou quoi? Bien droit. Ah, on se redresse. Ne bougeons plus. Moi. Quelque chose ne va pas? Non, grand-mère, tout va bien. Allons, améthyste. Je vois tout de suite quand quelque chose te tracasse. Tes cheveux deviennent tout raides. Ça arrive à toutes les trolls? Oui, c'est possible. Mais toutes les trolls ne sont pas ma petite fille, chérie. En fait, j'ai l'impression que Topaz ne tourne pas rond. Elle a des ennuis de santé? Non, elle se dit en pleine forme. C'est plutôt son attitude qui n'est pas normale. Qu'est-ce qui te fait dire ça? D'un seul coup, elle est devenue super sûre d'elle. Ses fringues, c'est un désastre. Et elle est limite agressive. Tout ça ne lui ressemble pas. Définitivement. Comme si elle était devenue quelqu'un d'autre. Et j'ai vu quelque chose ce matin. Si je te le dis, tu vas me prendre pour une folle. Il se peut que Topaz traverse une crise d'adolescence. Ça ne doit pas être bien grave. Oui, t'as raison. Bonne nuit, grand-mère. Toi aussi. Malgré tout, par simple précaution, je vais passer 2 ou 3 coups de téléphone. Halte de la sinistre étranger! Montre-toi si tu l'oses, ou attends-toi à subir le courroux du puissant! Simon? C'était une bonne scène, mais ça ne m'a pas fait trembler comme une petite fille. Oh, c'est vous, monsieur. Enfin, je veux dire, madame. Enfin, oui, enfin, à part ça. Comment ça se passe? Ces filles sont tellement naïves qu'elles se sont toutes laissées prendre. Belle manœuvre, comme à votre habitude. Et quand va-t-on leur donner le coup de grâce? Demain, juste après la présentation de notre numéro à ce fameux concours. Il faut que je fasse quelque chose, il le faut. Oh, ça va mal, ma fille. Même si tu faisais quelque chose, tu ne réussirais qu'à faire un beau gâchis. Excusez-moi, maître, mais pourquoi attendre après le concours pour... Pourquoi? Parce que, pauvre nullité canine, parce que je suis un tout pour la gagne et que notre numéro est super au point. Si vous vous placez sur ce plan-là, ça tient debout. En plus de ça, pendant que les filles s'embrasseront en gloussant comme des dindes, moi je passerai tout de suite à l'attaque. Et je garderai la coupe des vainqueurs pour moi tout seul. Faites un triomphe à Rock Troll Trapu, le plus costaud du lycée de Trollsopolis. Une forme de talent différent. Pour continuer sur le mode talent, prochain concurrent, Flint Trollentino. Il va vous interpréter sa toute dernière chanson. Angoisse, ça vous concerne. Pour le dernier mouvement, mets-toi bien en position avant mes sauts périlleux. Sinon, je serai totalement déséquilibrée. Tu me suis, là? Je suis toujours en bonne position, Topaz. Oh, arrête! Je sais pas combien de fois t'as... Oups. Un problème? Moi? Non, je me donnais une dernière petite touche de maquillage. Et c'est parti pour la gloire. Youpi, youpo, youpa.
Quoi? Pourquoi vous me regardez? Ah, c'est officiel. Topaz n'est décidément plus la même. Non, elle a vu quelque chose dans le miroir qui l'a effrayée. Il faut chercher à savoir ce que c'est. J'ai déjà ouvert l'enquête. Tu as trouvé des indices? Une seconde. C'est tout bon. Vous voyez ce que je vois? Oui. Elle a un bouton sur la lèvre? Non, regarde bien. Son reflet dans le miroir. Simon s'est glissé dans son corps. On a un sérieux besoin de renfort. Où allez-vous, toutes les quatre? Ben, on va jeter un coup d'œil sur les spectateurs. L'éclairage! Le son. La clim. À plus! Plus insupportables les unes que les autres. Définitivement. Il faut absolument trouver Obsidienne. Je suis là. Oh. Vous n'aurez pas eu à chercher loin. Obsidienne, on est super contente de vous voir. On pense que Simon le Gremlin s'est glissé dans la peau de notre ami Topaz. Et son maquillage, je vous dis pas. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Entre autres que le côté obscur de Simon a conduit l'ancien monde des trolls à la ruine. Pendant des siècles, il a été enfermé au fond d'un royaume magique secret. Par qui? 5 trolls anciens ont utilisé un sort extrêmement puissant pour s'emparer de lui. Et nous, on l'a délivré. La magie des anciens s'est affaiblie. Ça aurait été impossible sinon. Il y a encore des anciens quelque part, ils pourraient nous aider. Hélas, il n'en reste plus que 3. Je suis l'un d'eux. Cool. Et votre professeur, Monsieur Trollomètre, en est un autre. Ça ne se peut pas. Ça se peut. Oh. Si on éjecte encore Simon et si on sauve le monde, vous passerez sur nos fautes d'orthographe? Nous verrons cela. Pour l'autre, les présentations ne seront pas nécessaires. Hein? Je crois que l'une d'entre vous me connaît assez bien. Grand-mère? Écoutez bien ce qu'il vous faudra faire. 1. Apprendre une nouvelle formule par cœur. Et 2. Utiliser votre perle la plus puissante. Malheureusement, la formule que je vais vous confier a été conçue pour la magie des 5, mais sans Topaz. Eh bien, vous devrez vous surpasser. Et n'oubliez pas, il vous faut répéter chaque mot exactement comme je l'ai prononcé. Ville Gremlin en notre ami. Ville Gremlin en notre ami. Merci, Flint. Ah, vous semblez avoir apprécié. Et comme tout a une fin, nous terminerons ce concours avec les meilleurs amis pour toute la vie. Les meilleurs amis! Ouais! Ouais! Oh, yeah! Youhou! Allez, les filles! Youhou! Youhou! Les filles vous le disent sans détour. On sera les meilleurs du concours. De 10 mètres sans sautoir. Attendez de voir pour le croire. On fera tout pour vous plaire, pieds en l'air et main par terre. Pour nous passer du boulot quand on enclenche le turbo. Vas-y, Saphir. Hop, bec, les boulets boulets. Améthyste s'éclate. C'est tout bon, Saphir. L'audace de ce numéro, c'est de vous faire froid dans le dos. On tient la scène comme des pros, ménagez pas vos bravos. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Topaz, t'es mon idole. Je voudrais être comme toi. C'est normal, je suis la meilleure. C'est le moment. Ville Gremlin en notre ami, les gableries, c'est fini. Quitte son corps immédiatement, on a repris le commandement. Totalement naze, votre truc. Vous ruinez le numéro. Ta grand-mère avait raison. On n'a pas assez de flux magique à nous quatre. On n'y arrivera jamais sans Topaz. Topaz, si tu m'entends, répète ce qu'on va dire. Comptez sur moi. Ville Gremlin en notre ami. Ville Gremlin en notre ami. Quitte son corps immédiatement, on a repris le commandement. Non. Yeah. Bravo, Topaz, t'as réussi. Il fallait bien, j'ai fait un maximum d'efforts.
Et cette fois, ça a payé. C'est vous toutes qui allez le payer. Et très très cher, parce que votre dernière heure est arrivée. Lâche-nous un peu, Minus. Sortilège, vortex, ancienne manière. Oh oh. Oh, Topaz, à toi. Comme une grande. Je me suis dit, ma fille ne rate pas ton coup. Et j'ai tapé en plein dans le mille. Et maintenant, à nous le trophée troll. Hey, hey, you. Meilleurs amis. Kaboom adore nous servir de cobaye. Mais je lui ai dit que j'allais le fortifier vu qu'il résiste mal à la plupart de nos sorts. Au programme d'aujourd'hui, remise en forme olympique garantie. Je m'occupe de toi, l'athlète. Puisque Kaboom n'est pas de la race des champions, qu'il soit roulé comme une statue d'Apollon. Ah. Oh. Hé, hey, Onyx, ta statue, elle serait pas en plâtre? Yeah!